Un match de gala pour annoncer les couleurs des 72 heures du vidangeur, organisé par l'Association des vidangeurs du Faso à Vivre. Le premier match a mis aux prises deux équipes, à savoir celle du parking de Padoie et celle du parking du Siao, tandis que le deuxième a opposé le parking de Tompuy et celui de Kosodo. Les deux rencontres ont vu respectivement la victoire de l'équipe du parking de la Padoie et celui de Tompuy. Disons que dans le football, il y a le talent plus et la chance aussi. Bon, nos adversaires étaient plus forts que nous. Nous avons su le plier, mais on attendait les tirs de but. Donc on peut dire que nous avons gagné par chance. Le président de la Vive se réjouit quant à lui de l'adhésion de la plupart des vidangeurs. Car pour lui, c'est ce qui permettra d'atteindre l'objectif recherché qui est de rassembler l'ensemble des vidangeurs du Burkina. La satisfaction, en tout cas, il est total parce que vous avez vu aujourd'hui, il y a eu vraiment la participation de plusieurs équipes. Et il n'y a pas eu de bagarre et surtout, tout le monde était satisfait. Il n'y a eu vraiment que du bonheur. Alors, vous voyez que toutes les équipes, même les perdants, ils étaient enthousiastes parce que de toute façon, c'est le Burkina qui gagne, c'est les vidangeurs qui gagnent. Pour Adama Bouda et Aruna Bagna, l'initiative est à saluer parce qu'elle a permis non seulement de regrouper les vidangeurs de différents parkings, mais a servi également de cadre de communion. Nous nous réjouissons de cette cohésion qui existe entre nous les vidangeurs. Grâce à cette initiative, nous savons dorénavant que les vidangeurs se soutiennent mutuellement. Ainsi, nous prions Dieu qu'il continue de fortifier nos liens et qu'il permette qu'il n'y ait jamais de mésentente au sein de notre groupe. Nous remercions donc les organisateurs. J'ai nourri ma famille dans ça et voilà franchement aujourd'hui là même je suis très content. Il y a d'autres même ici que je ne connaissais même pas. En tout cas on travaille ensemble mais on ne connaissait même pas. C'est dans notre groupe là seulement on attend peut-être moins à chanter malgré. Alors que face à face là, voilà, voici ce qu'on a organisé là. En tout cas ça me fait beaucoup plaisir. Le président de l'association des vidangeurs du Faso a saisi l'occasion pour lancer une invite à l'endroit de tous les vidangeurs ainsi que toutes les associations œuvrant dans le domaine de l'assainissement à apporter leur soutien afin que ces trois jours destinés à rendre hommage aux vidangeurs puissent être une réussite. On inviterait vraiment tous les vidangeurs, que ce soit à Ouara, à Bobo, et dans toutes les provinces, que ce soit à Kourougou, Wayuria, Fadangourma, toutes les provinces, toutes les 13 régions même du Burkina, on inviterait vraiment s'il y a des vidangeurs à nous rejoindre. On a déjà des points focaux, mais on constate aussi qu'il y a des associations de vidangeurs dans certaines villes du Burkina. On a déjà adressé des notes à ces associations, les invitant à nous rejoindre pour que ces 72 heures soient effectives dans tout le Burkina. Un rappel. La finale se jouera le 20 novembre prochain et elle opposera le parking de Tompuy à celui de la Padoie. Après cette compétition inter-parking entre vidangeurs, s'en suivra les 72 heures du vidangeur proprement dit, qui se déroulera du 24 au 26 novembre 2022 avec pour thème le métier du vidangeur pour le bien-être des ménages urbains au Burkina Faso.